Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl. On est de retour dans la SKB 7, la Super Croc Bowl 7. Et on affronte Ikit qui est également un youtubeur et qui va jouer Nain du Chaos. Alors c'est un match-up de merde hein. Nain du Chaos contre Amazon, il a la force, il a du tacle, en plus il a foutu du tacle à côté, il a une TV de fifou. Le seul avantage qu'on a c'est que ses griffes seront inutiles. Mais bon, il a du nain qui esquive, il a de la châtaigne, il a du tac partout, il a des hobgoblins avec bloc, ça va être une tuerie. On a un petit peu d'inducement. Est-ce qu'on pourrait prendre quelqu'un d'intéressant, un champion utile? Helmut, ouais non, ça me fait chier les champions. Honnêtement, ils sont relous, j'aime pas les champions. Bon, elle, éventuellement, avec ses 4 de force, mais bon, claquer toute la TV, tout l'inducement là-dessus, ça m'emmerde. Donc je pense que je vais prendre un apothicaire supplémentaire. Alors on avait déjà joué avec lui dans la fosse à l'époque. Ça s'était pas très bien passé. Enfin on avait perdu 2-1 et on avait eu du mort, des blessés. Enfin c'était un peu la teuf. Depuis il a encore gagné des niveaux et des compétences. Donc je ne suis pas sûr que ça va parfaitement bien se gérer. Mais on va voir. On va voir, on va voir. Ça va probablement être assez catastrophique, on va cramer de la relance. En plus il a beaucoup plus de popularité que nous, donc il va avoir sans doute des bons résultats d'inducement. Ah, et on joue chez lui, on dirait il a un truc de... une sphère magique là au-dessus de son stade. Vous voyez la petite aura bleue. Et il va, je pense, prendre l'attaque, ouais, voilà. Donc ouais, il a le dôme magique, donc tous les événements de météo sont annulés, très très bien. Alors, on est en défense, donc déjà, Papillote, tu vas aller dormir un peu. Ensuite, on va pas essayer de faire de trucs de fou, hein. On va mettre nos trois quarts bidons devant, alors Prester de Jeannette... Avec son 6 d'armure, on va quand même éviter, si on peut, qu'elle se prenne direct une tatane. Voilà, déjà, on va commencer comme ça. Ensuite, alors, on a quand même un 4 de force, hein. Ça reste intéressant. On va essayer de le protéger un peu. On est sur du nain, donc il n'y a pas de mobilité de taré, on va dire. Ça reste correct, mais sans plus. Hop, on va se mettre un peu devant avec nos trois quarts. Et le tacle à l'arrière, parce que pourquoi pas, enfin la châtaigne surtout. Donc on a nos trois quarts pour encaisser un blitz, on a nos trois quarts devant pour encaisser de la tatane. Normalement il y a assez peu de chances qu'il nous contourne, hein. Il a quelques hobgoblins quand même, il a lui sûrement pour jouer la balle. Mais ça devrait aller. Je pense que au moins pour cette premier tour ça devrait aller. Alors sachant qu'en plus on joue avec des tours de 2 minutes, hein. C'est vrai que j'avais pas du tout fait gaffe je crois au dernier match, mais Krug nous a mis des tours de 2 minutes sur cet SKB. Ce qui est quand même un peu court, hein. On va pas se le cacher. Donc là pourquoi je me suis écarté comme ça, parce que de toute façon il va avoir aucun mal à avoir 2 dés parce qu'il a beaucoup de force. Donc l'intérêt de ça c'est d'essayer de l'empêcher d'avoir 3 dés en fait, tout simplement. Trop facilement en tout cas. Donc il prépare un blitz sur ce côté là, il blitz pas sur mon 5 d'armure, il a peut-être pas vu que Prester Jeannette avait pas 5-6 d'armure. Il y a quand même un Minotaur, Juggernaut esquivant force, va falloir y faire gaffe à lui. Alors, nous, on a notre petite botteuse. On va essayer de botter par là, c'est là qu'il y a le moins de nains. Ici. Hop là. Donc voilà, hein, il va gagner la plupart des événements du coup, grâce à sa popularité. Hein.
Encore que, ils nous disent plus 0 fame, alors que normalement il a 2 de popularité de plus. Alors peut-être qu'on avait un équilibrage. Ouais, il a 0. Et nous aussi. Bizarre. Bon, jamais trop compris comment marchait la popularité de façon dans ce jeu. Alors, premier bloc avec un hobgoblin. Hop. Et. Ok, ça c'est fait. Rate le prochain match. Eh ben écoute, désolé. Donc là ça repousse, mais il y a une frénésie. Hein. C'est le pot. Mais Damny résiste. Envoyé un petit message, c'est vrai que j'ai. Je discutais avec lui sur Discord avant, mais ça se fait quand même. Ok, le pot. Bon, bah son premier tour s'est plutôt bien passé, il a réussi à avoir ses 3 dés quand même. Après, il va aller poser sa garde. Ok, ici, très bien. Blitzer avec lui peut-être. Billy le Minus et sa châtaigne. Ouais voilà. Et ça passe. Et c'est la blessure, et ben putain. Perd un point en force. Alors là on va prendre l'apothicaire par contre. Et du coup il rate le prochain match. Et ben, c'est la joie. C'est la joie, c'est la joie. Ce premier tour de l'enfer déjà. On sent que le thème est donné. Ah, un sur le ramassage. Oh, je pense qu'il va pas cramer de relance pour ça. Bon, quoi qu'il en a 4, hein, donc il peut. Ok, il crame une relance et ça passe avec un 2. C'était, dis donc, ça c'était juste pour le coup. À l'agression, d'accord. L'agression au nain. Très très bien. Nain sans XP, donc j'imagine qu'il s'en fout un peu. D'accord, bon bah du coup on va devoir se relever ici. Hein. Je suis désolé Damny, mais il va falloir que tu tiennes. Alors ici on peut avoir 2 blocs en mettant une garde là, on va donc le faire. Avec les autres, est-ce qu'on court? Il a du potentiel quand même de bouger. Hein. On va se déployer avec les autres. On va envoyer Prester Janet mettre la pression. Parce qu'elle est très forte pour ça, Prester Janet. Sachant que Ikit, on est sur un joueur qui joue quasiment exclusivement à la statistique, donc très très dur à gérer. Plutôt là, voilà. Alors on va commencer par ce bloc là, qui repousse, très très bien. On va envoyer là, et on va poursuivre. Et ici ça ne donne rien, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, les 2 minutes sont larges hein, quand on fait des tours comme ça, forcément. Sachant qu'il devrait sans trop de problèmes pouvoir me cerner et mettre des fessées. Hein. Mais bon. Le pot. Alors il a même pas peur, hein. Il m'envoie au contact de sa balle. Il compte sûrement m'écraser ou un truc du genre peut-être. Donc là il se prépare à cerner, pas de risque. On aura sans doute assez peu d'erreurs hein, de sa part. Faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des grosses boulettes ou des gros misclics.
Donc là, il faut qu'il rajoute de la force, hein, parce qu'avec ma garde, il a pas de dés. Ok, le pot. Putain. Rendon qui a plus que 6 d'armure, hein, donc... Voilà, très très bien. Une commotion, on va être obligé de laisser passer, hein, parce qu'on va tellement se faire défoncer de façon pendant ce match que... Pff, un repoussé, dis donc, impressionnant. Vache. Ok, il blitz. Il veut se débarrasser de mes blitzeuses, hein, c'est normal. Ok, bah au moins ça passe pas. Est-ce qu'il poursuit? Ouais, il poursuit, il s'en fout de... il s'en fout d'y aller de toute façon, je pense. Alors est-ce qu'il va écraser avec lui? Il a quand même tacle. Hein. Non, il se contente de... il se contente de marquer avec son tacle. Ce qui est plus que suffisant, hein. Ça nous empêche de faire grand chose. On aurait moyen peut-être de blitzer là, j'ai pas blitzé au tour d'avant, hein, mais j'avais pas vraiment d'opportunité qui me paraissait intéressante. Là on va pouvoir blitzer ici, peut-être même... ouais mais un nain, ça fait un peu chier de blitzer un nain. Alors avant on a un bloc là, à 2D, avec châtaigne, ok un pot. Envoyé par là, et on reste. Et ici, du coup, on a de nouveau un bloc, un pot, parfait, et on reste. Hein. On lui donne pas des blocs, on poursuit pas, c'est pas à ça qu'on sert. Alors ici, on peut essayer de repousser par là-bas. Ah, fait chier. Tant pis, on va prendre ça. On va rester au contact, ça me fera un peu de force, à mon avis le Minotaur va se faire plaisir sur notre quête de force, mais bon, tant pis. Et ici on va se redéployer. Et là bah... Rester Janet à se faire dépouiller. Allez, on y croit. Il va nous mettre de la force, normal. Je pense qu'il va vouloir essayer de se débarrasser assez vite de ma garde. D'ailleurs, il a une garde, en général il aime pas trop garde, il quitte, mais je vois qu'il en a quand même pris au moins une. Ok, la balle avance par là. Il va refermer, très très bien. Alors là ça repousse. Est-ce que Prester Janet va nous éblouir une fois de plus? Il blisse d'abord au Minotaur comme c'était prévu. Et ça rate. Avec la glissade contrôlée, on va aller. Ah j'aurais voulu aller par là, mais c'est pas fou. Tant pis, on va aller par là. Ah quoique c'est vrai qu'il a frénésie, j'aurais dû aller par là en fait. Ah, il a relancé le solitaire qui proc. Ça, ça pique. Enfin, surtout pour lui. Du coup, il va me poursuivre de toute façon, donc on va aller par là. On va se dégager de la, du tacle. Je pouvais essayer d'aller par là pour être au contact de lui et taper, mais ça me paraît pas ouf. Ah, ici un pot sur Prester Janet, attention. L'armure qui passe, et c'est la sonnette. Ça va. On va dire, et ici bloquer un dé avec un bloc, hein, ça se tente, il a fait un pot de toute façon. Et ça passe. IB putain, ça fait mal au fion. C'est moi qui vous le dis. Alors ici, on va par là. De cette manière, on va pouvoir tenter un bloc ici. Qui passe. Alors, s'il faut que je poursuive. Ouais, de toute façon ça me facilite pas plus la vie que ça, donc on va poursuivre. Hop.
clairement pas ouf, hein. Ici, il y a une garde en plus. Oh putain. Ouais, bon, ok. Oh, puis le sonnette en plus. Très très bien. Très très bien, très très bien. Alors, si dès qu'on essaye d'esquiver avec relance, parce qu'il y a un mec en face à pas tacle, ça tombe et qu'on se blesse, ça va pas être facile. Bon, faut pas s'attendre à de la pitié de la part d'Ikit. Hein. Il va piétiner, il va taper comme un porc. Y a pas de. Enfin, il va se faire plaisir, quoi. Il va clairement se faire plaisir. Ah, double crâne, ça relance et ça repousse. Ah, mais il attaque, c'est vrai, putain. Et l'armure qui passe, tranquillou. Voilà. Oh la vache. Ok, ici ça repousse. Il se fait un trou, hein. Il me colle deux tacles sur la tronche. Il va sûrement me la cerner avec, avec lui, là. Pour être sûr. Là, je vais même pas la porter, même si je voulais y aller de toute façon. La blitzer, elle a pas encore blitzé. Elle va sûrement blitzer là avec mon Minotaur. Avec son Minotaur, pardon. Voilà, là il va me cerner totalement. Ah non, il veut blitzer là. Ouais. Ah bah, minimal sauvage, parfait. Avec blitzer la garde, c'est vrai que ça me permet d'avoir un 2D là, donc... c'est pas tout à fait déconnant. Je pourrais éventuellement faire des trucs par ici. Faire des trucs par là, je peux aller mettre un peu la pression là. Pourquoi pas, on se tente. Ici, ouais, ici. Preston Janet, elle va pas se coller à personne, elle va aller par là, tranquille. Preston Janet 2, elle va se relever, hein. Et puis bah là, on va essayer de dégager le tacle. Parfait. On va poursuivre pour pas rester au contact de l'autre fumier là. Et là après je peux aller me coller en mettant deux paquets. C'est le mieux que je peux faire. C'est le mieux que je peux faire. Ici de toute façon ça sera du dé rouge. Même si je viens mettre un support. Il aurait fallu que j'annule ce support éventuellement, mais c'est trop tard. On va tenter ça, de toute façon on esquive rate, pas de soucis, puis on se blesse et on est KO. Ok, très très bien. Très 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 bien. C'est de la merde. C'est de la merde. En plus je sais qu'il est lourdé par les tours de 2 minutes, alors il va y aller comme un porc. Hein. Ok, le pot. Oh putain. C'est impressionnant. Hein. Wow. Moi j'aimerais bien que mes... quand je joue contre des sets d'armure ça tombe comme ça. Bien 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 bien. Ok, le pot de nouveau, mais ça tient. Alors est-ce qu'il nous piétine? Je ne sais pas. Ok, un blitz là. Ça repousse. Preston Janet qui tient le coup, tant bien que mal.
Ah, il va me recerner, hein. Pas de miracle. Ah ouais, carrément. Il fait quoi? Il cherche... Il veut me donner, de toute façon, je vais le prendre, ce 2D rouge. Ça, c'est... Ça n'aurait aucun intérêt de pas le faire. Donc ma garde est sortie grâce à un magnifique chaos de moi-même. Ici on a un blitz à 2D qui passe, on va repousser mais on va rester là, hein, des fois qu'on puisse faire des trucs. Puis bah là on va le prendre, hein, de toute façon, hein, c'est ce que je vous dis. Allez, on va même relancer. Allez, on retente une esquive et non, c'est pas possible, une esquive définitivement, ça ne passera jamais. Ah mais non, mais putain, sérieux quoi. Bon bah on va la prendre, hein. Oh là là, mort ou dos abîmé quoi. Putain. Ouais, oh, c'est bon, tour 6, j'ai déjà plus envie quoi. Sans déconner. Alors on a parlé dans les commentaires avec vous les viewers, mais putain, les dés quoi, quand ils décident de te pourrir, c'est fini, tu peux rien faire quoi. C'est un truc de fou. Hein. Putain, je me fais chier à prendre deux appos, ils arrivent à rien. Derrière, je me fais dépioter la tronche. C'est un truc de taré quoi. Oh, puis tous ces pots, bordel. Que je voulais faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ouais, mets-toi en sécurité par là, voilà. Je peux même pas blitzer, il s'est mis juste hors de portée. Bon, on va blitzer là, parce que rien à foutre. Quête d'esquive. On s'en fout, on relance parce que de toute façon on a plus que ça à jouer, ça fait rien. Rien à battre. Ah, si je relève même plus, ça sert à rien. On va faire que se prendre des tatanes. De toute façon, il stole. Aucun intérêt, quoi. Il me reste plus que 4 joueurs. On a même pas fini la première mi-temps. Non, mais fin. Alors j'annonce que s'il me sort Chobiti, je forfais. Hein.
Là, je fais trop de Blood Bowl en ce moment pour supporter de me prendre des trucs gratos comme ça, quoi. Ouais, non, c'est bon. Ok. Ah putain. Ouais, non, en plus il me crase, c'est bon. Ça fera un petit match, mais non, ça m'a trop lourdé là. Sérieux, les matchs où je fais que des 1 et où l'autre en face il défonce tout, ça va quoi. Bon, bah du coup j'espère que ce match vous aura plu, je ne peux pas le dire. Enfin voilà que voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.